On est aujourd'hui sur l'aérodrome de Saint-Crépin pour une compétition de planeur. Alors qu'est-ce qu'elle a d'un petit peu particulière cette compétition? C'est un peu une kermesse de l'air avant tout. Ça ressemble à peut-être ce que font les moniteurs de ski en fin de saison. Donc on a choisi un planeur école typique qui s'appelle la SK13, comme tu peux le voir ici. Ce planeur école est utilisé partout en Europe. C'est vrai que sa conception est ancienne, elle date de 65. Donc on a des moniteurs qui viennent de toute la France, de Hollande, de Suisse, avec des élèves. Ça représente à peu près 300 pilotes pendant une semaine. On a même, à l'heure actuelle, le champion du monde en titre qui est là, qui vient faire cette rencontre particulière. Pourquoi à Saint-Crépin? C'est simple. C'est dans les Alpes du Sud, un des meilleurs endroits pour pouvoir voler en fin de saison. Et Jules, tu payes avant de partir parce que c'est le seul moyen que nous on puisse boire à 19h. Et si je paye pas la bière, je paye le café à Barcelone. Ça te convient? Non, tu payes la bière. Tu payeras aussi le café. Gérard, tu voles pas aujourd'hui? Tu voles? 10 euros. Allez, 78 avec Sierra Eco, Alpha Tango qui n'en vaut, c'est 450 chouettes. Écoute, Bada, je te remercie et puis alors on se donne rendez-vous à l'année prochaine en 2010. 2010, ça sera une édition classique un peu renforcée avec la Maison de l'Air. Hein, nous avons énormément de partenaires, le Conseil Général qui nous aide en permanence et qui nous soutient.